Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Crooks The Big Heist. La dernière fois, c'était le début de la mission 17, qui est donc apparemment la dernière mission du jeu. Nous sommes dans la base secrète de Murray. Oh my god, quoi, c'est des niveaux de ouf. Vous pouvez le voir. On est arrivé ici, et on a réussi à s'occuper d'ici, et on avait réussi à gérer un peu plus là. Ça se voit pas forcément, mais on avait réussi. Si. Ah, ouais. Dommage, j'ai pas pu me piéger. Et ma petite troupe était ici, au chaud, pendant que lui était en train encore de chercher des malotrus qui se seraient. Qui seraient apparus. Voilà. Alors, j'ai un peu checké. On va devoir faire monter notre jauge de danger pour avant de la faire baisser. On va s'occuper de ce coin ici. On est un peu obligé d'y passer puisque ça va désactiver. En fait, le terminal de caméra va désactiver une caméra et qu'ici on est obligé de venir là. Il y a plein de trucs et tout à faire, donc voilà. Donc première chose, c'est que ce mec-là, c'est lui qui a un seul tour de garde absolument énormous. Vous voyez un peu, il est tout seul. Vous voyez, il a un peu le truc. Donc ça fait que quand il est pas là, on est carrément tranquille. Et il est ici et il va par là. Donc on a encore pas mal de temps pour faire ce que je dois faire. Puisque je vais faire venir mes petits mecs dans ce... Pas forcément ce sas là, parce qu'il y aura une caméra et tout bordel. Donc dans ce sas là, au moins ici. Ouais, mais ici... Bref. Tu vas bien ? Lobco va déjà s'occuper de ça. Ah là là! C'est pas vrai! Qui a fait ça? Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Écoutez, je ne sais pas. Il y en a qui s'est énervé. Ah! Bah non! Je me disais, c'est un mec qu'on a enfermé. On a enfermé personne. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah si, c'est lui! Si, on avait bien enfermé un mec. C'est lui qui est enfermé. Donc voilà, toi tu t'occupais de ça. Tu vas t'occuper de ça. Et toi, ma petite, tu vas venir aussi parce que on va avoir besoin de toi. Alors, je te fais venir là. Ça va passer par là pour activer ça. Ouais, parce qu'après, le problème c'est que j'aurais pu. Ah, il faut que je décide qui va venir ici. On va envoyer Rufus. Tu vas venir là. Et Lobco, tu vas venir là. Parce que je vous explique. Je vais l'envoyer elle. Salut. À travers ici. Voilà. Elle va ouvrir. Elle va s'activer ça. En fait, ça va fermer les deux portes latérales et ouvrir celle-ci. Le problème, c'est que celle-ci, on va quand même se faire choper parce qu'il y a une caméra. Donc, il faudra donc que le mec soit... C'est ici, le terminal, en fait. En plus, je vais me faire choper là et choper ici. Donc, il faut absolument qu'on ait un aimant à vidéo. Donc, j'ai les trois qu'ils en ont, mais pas elle. Et on va devoir jouer avec le petit mec là. On peut pas l'assommer ni rien. Et je prends Rufus parce qu'il y a un mur à péter, en fait. Et peut-être que je pourrais me débarrasser de lui dans cette pièce, pourquoi pas. Mais il y a un trésor à choper. Ah ouais, mais il faudrait que lui vienne aussi. Le problème, c'est que là, les caméras vont choper les punaises, mais c'est insupportable, en fait. Là, quand ça va s'ouvrir, la caméra va aller prendre les deux. Quand on va passer, ça va reprendre le mec qui va passer et encore là. Pour le coup, j'aurais peut-être dû prendre le robot. Mais bon. On va faire sans. Je peux pas utiliser le robot. Enfin, j'aurais aimé avoir tous les persos, mais c'est pas le cas. Je me demande vraiment si je vais pas l'enfermer là. J'ai envie de dire les trésors. Lobkowitz. Farabardé. Ouais.
Ah, je vais aller l'enfermer, le mec, tant pis. Hein. Ouais. J'ai eu peur que lui se fasse voir, donc tu vas venir là. Le voit pas. Oh, quel pied. Quelle chance. Toi, pendant que t'es de l'autre côté, est-ce que... Ouais. Bah, t'as lui qui arrive, donc tu vas devoir aller te planquer. Pareil, là il y a la caméra et tout, donc en gros je peux rien lui faire faire. Tu vas revenir là. Oh, c'est tout juste. Ouais, est-ce que t'as ce mec-là? L'autre, il est là. Hein. C'est parti. C'est tout juste qu'il se fasse pas se voir dans les angles. Tu vas pouvoir venir. Tu vas te faire choper par les caméras, mais j'ai pas d'autre choix. Normalement, c'est bon. Tu vas venir faire ça avec l'aimant parce qu'il va se refaire choper ici. Je suis obligée. Hein. L'autre, il est encore là-bas. On est vraiment flagrant en plus là, ça craint. Bon, on a baissé un peu, mais c'est nul, hein. Là, je vais inverser le truc, fermer là, rouvrir sur les côtés. C'est pas forcément utile tant qu'il est enfermé là. Donc, essentiel, c'était de caméra. Tu vas venir choper ça et tu vas revenir. Ah, mais si, pour la caméra là. J'ai rien dit. Vas-y. Il revient. Quand il va rentrer là-dedans, elle, je la ferai. Ouais. Mais elle va jouer à cache-cache, hein. J'ai pas le choix. Plus le mec il passe vraiment à travers dans les deux sens. Après, elle a un destructeur, elle peut très bien venir là. J'ai en train de me dire, et si on l'enferme, le mec là qui fait tout le tour, là, lui, qui fait tout le tour, ici, si les portes là sont fermées, il a pas d'interrupteur, il peut pas ouvrir. Nous, on aurait ouvert là. Je sais pas, franchement, c'est complexe. Elle va se faire choper. C'est qui, toi? Ouais. Et ouais. Je m'en doutais. Et t'as quoi comme alternative? Passer par là? Tu peux pas, t'es coincé. Il va venir comme ça.
suis dans la merde. Je sais pas du tout. J'ai pas le choix. C'est un peu la chance. Elle va le suivre. Et je vais quand même bloquer la porte. Pas du tout si ça va passer. Hein. C'est pas vrai. Qui a fait ça? Il peut pas passer. La good news. La good news, donc elle. Mais le problème, c'est que pour faire passer eux, ça va être un souci. J'ai les deux qui sont enfermés là, moi je peux. Ils peuvent rien faire. Ah si, ils peuvent rouvrir là. Celui il est coincé, sauf que je vais le libérer si je veux ouvrir ici, quoi. Bon. Est-ce qu'elle aurait pu récupérer un truc à aimant Parce que là, elle va aller faire le truc à la caméra là. Mais on va forcément se refaire choper à cause de la caméra. Là. C'est de la merde. Mais non, en plus, elle peut pas y aller, elle a pas les chaussures. Oh, mais en fait, je suis en train de m'enfoncer dans ma propre merde. Voilà, c'est comme ça. Je suis grave dans la mouise là. Je vais recharger, je pense, parce que je suis coincée en fait. Je suis coincée dans mon propre truc. Bon, je vais voir où j'en étais à ce stade-là de... Voilà, de la mission. Ok. C'était pas fait choper encore. Je sais pas comment je fais mon affaire. Je suis perdue. Je suis perdue. Mustrota, il est coincé. Au travail. Ouais. Une serrure à crocheter. Je vais les faire venir là. Je serai un peu moins dans la mouise que tout à l'heure. Je veux. Je suis coincé. Est-ce que elle aura le temps? Oh oui! Mais là, il va se faire voir Bishop. Vu comment le faisceau arrive, je pense qu'il va se faire choper. Mais là, elle est coincée ici maintenant. Et lui, il vient là, après, il vient sa rencontre. Hmm.
Voilà. Ah, cela c'est foutu. On va recharger. On va recharger. C'est compliqué quand même. Parce que Bishop, tu vas te mettre là aussi. En avant. Non. On va attendre qu'il tourne parce que c'était tout juste Auguste. C'est pas vrai. Qui a fait ça? Je peux refaire ça et revenir. Voilà, tout juste. Là, il devrait pas les voir. Il devrait pas de soucis. Je reviens à elle qui était coincée. Il va falloir que je fasse venir Bishop. De toute façon, ouais, Bishop, ce sera notre seul espoir pour désactiver. Oh, mais ça va être horrible parce que je vais me faire tellement avoir et tout. Ma jauge de danger va tellement monter. Pas d'autre choix, hein. Bah, tu vas venir. Pas de choix. Là, on va pas jouer avec le feu. Tiens, j'ai pas d'aimant. Faudrait que eux, ils en drop un. C'est trop tard. C'est trop tard. Ils en ont pas tous les deux, c'est les seuls que j'ai ici. Sachant qu'ils vont se refaire choper à la caméra, je suis quand même baisée quoi. Bon bah vas-y. Hein. Où on en est. Voilà. Lui il arrive là, il n'y a personne. Va venir le coincer, non. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Et l'Opco qui reste là. Tout va bien? Il y a un garde qui est juste là. C'est trop dur. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est la dernière mission, hein, c'est les étapes plus compliquées à faire. Ah, mais elle est trop à la bourre. Technico spy. Là, tu vas te mettre là. Salut. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort!
C'est mort. C'est qui toi? Devrais pouvoir passer, va t'en mordre les doigts. Allez, je recharge moi-même un chouïa avant, parce que ça pourrait fonctionner nickel, mais... Ouais, on va faire là. Désolé, hein, c'est un peu la galère. En même temps, en plus, je suis à moitié malade, donc je suis un peu dans le gaz et tout. Voilà, j'arrive plus à réfléchir correctement. Donc ça, lui, il fait ça. Et il reviendra là. Et ma biche, tu vas déjà venir là. Comme ça, je prends de l'avance. C'est pas vrai ? Qui a fait ça ? Ce coup-ci, c'est bon. Mais lui, il voit pas. C'est parti. C'est tout juste, hein. J'ai réussi à l'avoir. Ok, ça c'est bon, tu peux revenir là. Il y a que le mec là. Donc je vais pas les faire venir pour l'instant. Loco. Ah, tu viens là. Mais qu'il est con! Mais c'est une blague! Mais non, mais... Mais non, mais sérieux! Il s'est fait électrocuter deux fois ce débile, mais sérieusement? Mais c'est n'importe quoi, je l'ai fait déconnecter, le mec il s'est électrocute. Oh non, mais vraiment là. Non, là c'est du n'importe quoi, là, ça m'a fait perdre un temps infini. Bon. Tu peux venir là? Oui. Réunis au sommet, là, les grands. J'ai coincé. Ouais. Voilà, tu vas faire ça. Ensuite, tu iras faire ça. Heureusement que je peux faire encore aller mes aimants. Parce que sinon. Eh bien. Ça va barder. Ah oui, ça je veux bien te croire que ça va barder. Chercher le bloc porte parce que ça, ce truc là, c'est la vie comme item. Je sais pas trop à quoi ça sert ça. S'il faut que je les active ces trucs là, il y en a pas de l'autre côté? Non. Et ça dure 25 secondes, c'est ça le délire? Non, parce qu'avec le mec qui est là... c'est un peu chaud, hein. J'ai des caméras encore ici. C'est chaud. Technicos pareil. Ah, attends. T'as pas besoin de faire ça. On va envoyer Rufus. Mais non, pas par là. Par là.
Voilà. Parce que du coup, ça va désactiver les machins. Ça sera beaucoup plus simple. Déjà ça. Surveille lui, parce que maintenant c'est ça. Ma seule menace pour l'instant, c'est lui. Une bonne chose de faite, c'est-à-dire que pour maintenant atteindre le truc de caméra, nous avons qu'un seul aimant et c'est Bishop qui est là. Bishop, il pourrait se faufiler comme ça. Et en plus, il faut ouvrir, donc oui, il n'y a que lui qui va le faire et il va me désactiver les caméras. Bishop, tiens-toi prêt, mon petit. Au travail. Voilà, ce sera ton quart d'heure de gloire. Je sais même, tu peux venir jusque-là. C'est sans danger. Parce que lui arrive, donc faut faire attention quand même. Voilà. J'ai coincé. Ouais, ils sont toujours coincés, hein. Et lui, c'est quoi? Alors, il est possible de tourner de diverses manières. Machin. Celui-là, on peut l'étourdir. Je sais pas si c'est très utile en fait, mais au moins désactiver les caméras qui sont là. Le reste après, c'est pour refaire le plein de certaines choses, pour chercher les trésors. Après, moi, vous savez, les trésors, il y a un safe là. C'est cool, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin, vous voyez? Bon, on va déjà faire ça. M'occuper de Bishop, puis ils viennent là. Il est où? Il est parti? Bishop? En piste, mon petit. Voilà. Il passe pile pas dans les trucs de caméra, c'est parfait. Là, il va s'occuper de la porte et après, il ouvre. Ah, mais il y a un truc, attendez. Ah ouais, j'aurais pu faire passer Rocket. Si Rocket, elle avait un truc pour ouvrir, ça aurait été bien. Clé de porte d'acier. Non, c'est pas ça, mais c'est plus une truc de safe, quoi. Porte d'acier. Non, c'est un chalumeau qu'il aurait fallu avoir, mais dommage, parce que elle aurait pu rentrer ici, par là, tac, et accéder au safe facilement, mais. Mais non. En plus, il y a encore une caméra, donc on va oublier. Les caméras sont pas mes amis là aujourd'hui. Ok. On va dire qu'on est bien. Il y a lui. Je sais pas du tout comment on va le gérer, lui. Est-ce qu'un pouet-pouet pourrait l'intéresser? Qu'on l'amène là, par exemple. Et qu'on l'enferme. Oui, j'aime bien les blocs-portes, hein, je vous l'ai dit. Il m'en reste encore deux à dispo, mais j'ai pas. C'est elle qui a le pouet-pouet. Le garde va revenir. Elle est où? Elle est là. Parce qu'après, elle pourrait s'échapper par là. Et par là. Mais pareil, truc de caméra. Ça pue, non, 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 on va abandonner l'idée. Je sais pas comment je vais faire pour m'occuper de lui, mais. Donc je sais pas comment ça fonctionne ces trucs-là. Vous m'avez m'activé ça, je sais pas ce qu'il faut faire avec. Est-ce que là, pendant 25 secondes, c'est activé?
dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Parce que là, j'ai deux personnes et deux personnes. Je sais pas trop. Une serrure à crocheter? Tout va bien? C'est pas vrai! Qui a fait ça? Je sais pas en fait. En avant. Je sais pas, pas par là. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Je devrais pouvoir passer. Merde. Ça marchera pas. En fait, c'est ça, c'est exactement ça, mais il fallait que je m'y prenne plus vite. Oh. Ok, ok, j'ai compris. Alors, parce qu'ils m'ont... Ouais, je vais charger là. J'ai compris. J'ai compris. Mais c'est très très chaud parce que je vais me faire forcément choper juste après. Bah, dès qu'ils activent ça, donc je vais les défaire. Il faut aller dessus en fait. Donc c'est dès que lui va tourner le dos, je vais le faire. Donc tu vas déjà te positionner. Ouais. Ouais. Vous êtes bien placé de toute façon avec Bishop, donc c'est pas ça le souci. Ouais, je sais pas. J'ai coincé. Ça va barder. Non, maintenant. Salut. Maintenant. C'est chaud, chaud, chaud. Tout va bien? Je suis prêt. Vous allez voir comme je suis souple. Vaste. C'est pas vrai! Qui a fait ça? Ah bon, mais je dois faire comment? Ça va barder. C'est bon? Ah, c'est bon! Oh la vache! Oh mon dieu! Cléopâtre et ses compères. Quel plaisir de revoir. Mais elle est pas là, Cléopâtre. Moi qui cherchais à vous supprimer. Vous m'avez mâché tout le travail. Ok, tu me vois. Eh ben, les gens qui me voient, je suis souvent leur dernière vision. Vos amis vous ont trahi. Vous êtes trop naïfs. Et je vous tiens à ma merci. Une fois de plus. Plus moyen de reculer. Je m'occuperai de vos amis dès que j'en aurai fini avec vous. Soyez bon perdant, acceptez votre défaite. Et par pitié, arrêtez vos petits jeux. Je crois qu'on va tenter le coup, espèce de fumier. Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez qu'il a mordu à l'hameçon? Ce minable n'a aucune idée de ce qu'on lui réserve. Non. Bon, en route. Vous croyez vraiment pouvoir m'échapper dans ma propre base? Allons, inutile de vous débattre. Là, lui, il va se retourner, il va les voir, hein, donc je suis obligé de les faire se flanquer. Non, c'est bon, tu peux venir là.
Mais non. Je suis encore en train de me stresser, hein, vous m'excuserez, mais là, pourquoi... C'est quoi ce bruit flippant? C'est chronométré pour aller jusqu'à la sortie ou quoi? Bon. Ah, j'hallucine, je... Ouais. Vous imaginez pas à quel point je suis... Je comprends pas ce qui m'arrive en fait. Oh non, un truc chronométré! Il faut vite traverser ce couloir! Vous ne m'échapperez pas éternellement. Rassurez-vous, je vais prendre tout mon temps pour vous éliminer un par un. Oh là là, le stress! Bon, eh bien, ok. Je déteste ces trucs chronométrés parce que je suis obligée de le refaire un million de fois au moins. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, j'ai fini le premier niveau. Je suis sur le cul, hein, je préfère vous le dire direct. Et là, en 10 minutes, va falloir faire tout ça. Ok, bah ça va être sympa. Et ce sera pour l'épisode prochain. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Bon, moi, j'ai quand même réussi à m'en sortir malgré ma... fatigue et mon état second, on va dire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite de Crooks The Big Eyes sur ma chaîne ou pour autre chose. Allez, salut.